Qu'est-ce qu'on peut dire en mangeant du poisson pourri et en suçant une grosse bite? Non, mais c'est une trop petite bouche. Excusez-moi, mais on dirait un lascar un peu, non? Quand je vois ça, je ne pense... What you really, really want, La raison pour laquelle moi j'ai jamais pensé à faire Koh-Lanta, c'est parce que je découvre en fait Koh-Lanta. Mais je le ferai en vérité. Hein. What if... Allez, travail meuf. Aujourd'hui, tonton Ferrara, il se repose. Allez, 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 allez. Eh, par contre... Alors, c'est une histoire de bambou. Ah, une histoire de bambou. Qui a le plus grand? T'as froid, Sylvie, un peu, là, non? Qu'est-ce qui me fait dire ça? Je sais pas. T'as un peu froid, là, non? On dirait deux chaussettes avec une boule de pétanque dedans. Ah, c'est pas pareil. Aussi, ma chatte, elle est pas mouillée, le matin. C'est, en Angleterre, il n'y a pas de meuf moyenne. En Angleterre, c'est ou moche ou une bombasse. L'autre, il avait quand même dit « Je crois que je fais l'amour à tes femmes mieux que toi, mec. » Pour faire ce genre de remarques sur un chat Twitch, on sait déjà que t'as jamais touché une meuf de ta vie. Bon, et le caméraman, là, il sait pas faire une balance de blanc, ce fils de pute. Ah bah oui, c'est évident, cher pas. Mais bien sûr. Des grains de poivre, c'est évident, du canard et du vu que c'est dans une cuisine, bien sûr qu'il vise un public féminin. Ma femme de ménage qui débranche mon ventilo, putain, et qui le rebranche pas. Tu débranches un truc, ça fait 10 000 fois que je lui dis, tu débranches, tu rebranches. Ah, carrément, pardon Twitch, je m'attendais pas à ça Twitch, excusez-moi, j'ai pas eu le réflexe. Ton Zen, c'est un cutter, mon frère. Elle devrait travailler chez Amazon, elle. Pour ouvrir les cartons, mon frère. That this moment he knew, he fucked up. Et lorsqu'elle faisait ça, en mode dominatrice, elle faisait des trucs de ouf. Genre des aiguilles dans la teub. Ils m'ont dit, mais hey, tu veux rester pour mater? J'ai dit, ah non. Et je sais que Manu rigole à chaque fois que je replace ma mèche d'un petit coup de tête. T'as une oeil passive. J'essaie de souffler un peu sur ta gueule. Je sais pas si vous étiez là la première fois que j'ai joué à ce jeu là, mais un truc comme ça. Et il y avait un mec en pussy derrière qui courait, sérieux, t'es marre? Hey you? Hey! Tu serais pas un ministre hongrois toi? C'est le vent qui peut faire ça ou tu crois que c'est son zgeg qui frétille parce qu'il a vu un samouraï? Non! Non! Ça c'est dégueu! Non! Non ! C'est screensaver, c'est des trucs de meuf à moitié à poil, frérot. Eh, ça doit y aller la branlette. Eh, lui, il a des posters de Wham chez lui, c'est obligé. Elle a dit, ouais, le célibat ne lui fait pas peur, même si la solitude commence à se faire peser. On en parle de cette télé d'il y a 20 ans ou pas? Bon, on n'a pas nos maillots, alors on va pas venir, hein. Je veux dire, tant qu'on n'a pas nos maillots, on se baillera pas, quoi. On n'a pas nos maillots, hein. Donc, tant qu'on n'a pas nos maillots, on viendra pas, hein. Le problème, c'est que Françoise, elle s'est fait déboîter toute la nuit. Essayez de vous déplacer avec une noix de coco sur la tête quand tu t'es fait éclater la chatte toute la nuit. La drama queen Philippe, Théma. Théma. Dans un ultime effort, Philippe passe le... Ah. Il ressemble un peu au streamer étoile, non? On va te prendre avec nous en tant qu'éclaireur. C'est vrai? Parce que, toujours, j'ai dit les Dax et les Gazelles, ça court. Oh! Putain, je suis en train de parler de cul là! Arrête de me casser les couilles, toi! T'es revenu, tu te prends des balles encore dans ton cul, te bébé. Il est mort, le respect. Ah, bien tenté. Putain, il était aussi nul que moi, lui. Oh, mon chaton qui me grimpe dessus. Allez, viens, bébé. Allez, viens, ma chérie. Allez, viens, ma chérie. Viens voir papa.
Ok. Oh, elle en kiffe là. Qu'est-ce qu'elle en kiffe là. Regarde, regarde comment elle met la tête en arrière. Tu connais tout, Tony, on connaît rien. Nous, le problème, il est là. Tu nous laisses pas connaître les choses. En fait, la cancel culture, elle a commencé sur Koh-Lanta. Ah non, c'est ça la vie aussi. C'est un concentré de vie, hein. Il y a des putes, enfin, voilà, il y en a partout. Enfin, c'est, les gens ils trahissent dans la vie et dans le jeu, c'est comme ça. Elle a lâché, il y a des putes au calme. C'est merci Roberto. Merci Roberto. Pour ton gros up. Pour ton gros up. You just said thank you Roberto for your big cock. Merci Ralexiel. Merci Ralexiel. Gros up. Pour ton gros up. Merci Ralexiel pour ton gros up. J'emmènerai quoi, moi, sur une île déserte? Ma bite.